Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Isa, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on est sur Black Ops 3 en mode multijoueur bien évidemment. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous donner mon avis à chaud de ce Black Ops 3. Comme vous voyez, j'ai tout simplement très 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 peu de temps de jeu. Je ne suis que niveau 3, c'est totalement ignoble. Bref, nous allons donc aller en partie publique. Nous allons essayer de trouver une partie, donc nous allons faire des matchs tout simplement. Donc nous allons aller sur Nuketown bien évidemment, la map énorme, énorme bien évidemment. Et donc voilà, donc je vais essayer de vous donner mon avis bien évidemment. Alors pour ceux qui n'auront jamais vu cette nouvelle forme de Nuketown entre guillemets, bah, elle est juste énorme, franchement regardez, c'est juste magnifique. Voilà, donc aujourd'hui une vidéo absolument pas sérieuse parce que je suis vraiment très nul à jeux vidéo. Non franchement j'ai énormément perdu, tout simplement parce que déjà je suis sur PC, bah, pas sur percé, hein, je suis un perse bien évidemment, pas du tout. Donc, du coup, voilà, c'est un petit peu dur, parce qu'avant j'étais sur PS3, bien évidemment, j'ai pas joué depuis BO2, donc toutes les nouvelles améliorations, également, totalement infâmes, sont chaud, très chaud. Regardez, hop, on peut monter sur les murs, on peut wall jump, on peut faire tout, ah, voilà, et on peut mourir également. Alors, il y a un petit bug de texture, oh, oh, regardez, hop, on prend un point, et rien que pour ça, ça mérite un pouce vert. Allez, hop, on va monter là. Oh merde, il est pas mort lui, putain, j'ai cru qu'il avait crevé, d'accord. On va essayer de faire du skill aujourd'hui, regardez, hop, nous on a envie de monter comme ça. Voilà, et si vous avez envie de tuer lui, et ben voilà, déjà vous galérez. Mais vous pouvez, regardez, hop, et voilà, et là on a la niveau 3 de la Cuba. C'est totalement n'importe quoi, hein. Je fais totalement n'importe quoi dans ce jeu vidéo. Et franchement c'est ça qui est bon, plus que faire beaucoup de kills, hein. Vraiment, j'ai vraiment envie de m'amuser, voilà, wall jump, tout ça, tout ça. Même si le but est de jouer, bien évidemment, je suis totalement, regardez, hop, et voilà, au cross, voilà, une fois que je gérerai bien ça, je vous jure qu'on fera des trickshots et des trucs bien drôles et tout. Hop, mais voilà, franchement, regardez, hop, on peut monter, voilà, vous voulez monter sur le mur, bah pas de problème, vous pouvez, franchement, c'est juste énorme, franchement, moi j'adore cette nouvelle façon, entre guillemets, d'apprivoiser le gameplay, bien évidemment, de Black Ops 2, 3, pardon, par rapport à Black Ops 2, hop, regardez, lui, hop, on le tue, on ne sait pas comment on l'a tué, mais on l'a tué, donc c'est essentiel au final, hein. Comment on l'a tué, écoutez, voilà, voilà, on s'en fout. On va voler le drapeau, regardez, hop, à mon avis ça ne va pas passer, allez, il y a 99% de chances que ça ne passe pas, qu'est-ce que c'est que ça. Ok, j'ai volé une arme, tout va très bien, hop, on va faire un petit, hop, d'accord, ça ne marche pas, ce... Qui êtes-vous, monsieur? Ok, non, c'est bon. Et on a perdu la manche. Bon, eh bien, écoutez, franchement, c'est pas mal. Franchement, on fait un score plutôt nul. Plutôt nul. Mais voilà, donc, comme. Waouh, regardez la glissade, juste énorme. Énorme. Franchement, moi, je trouve ça sensationnel. Donc, tout d'abord, donc. Pour mes avis bien évidemment, alors vraiment cette nouvelle perspective, alors parce qu'il faut savoir que je n'ai pas joué à Advanced Warfare ou que très peu bien évidemment, et c'est vraiment quelque chose d'énorme, on peut nager dans l'eau, on peut faire des glissades, on peut, c'est juste énorme, franchement ça rajoute énormément au gameplay et ça je trouve ça juste énorme. Regardez, hop, on saute là et hop, comme ça, voilà, on peut même sauter par-dessus le bus si on a envie. Non, on peut pas, d'accord, on peut pas parce que je ne sais pas, il y a un truc chelou. Oh, ok, d'accord, je suis mort également. Donc, j'ai pris la meuf avec l'outil, les perviers, bien évidemment. Regardez, hop, attaquant tué en une balle à mort. Voilà, c'est ce qu'elle dit à la fin. Hein, parce que voilà, oh, regardez. Voilà, donc ça, c'était une chose à ne pas faire quand vous tirez comme un connard. Il faut éviter, d'accord, hop, voilà, hop, on va prendre. Regardez, on va prendre ça, c'est un pompe magnifique ça, vraiment. Franchement, ils sont vraiment très très bons. Waouh! Ok. Ok, vous savez quoi, on va jouer à ça. Le mec qui a le 3, je sais pas. Regardez. Oh là là, sensationnel. Et franchement, rien que pour ça, je suis refait d'avoir eu ce jeu, hein, bien évidemment. Donc également, un grand merci. Oh là là, à Games Planet pour. Ah merde, d'accord, très bien. Je suis mort. Pour m'avoir offert ce jeu, franchement, je m'amuse énormément. Oh, ça l'a failli le tuer. Donc ça, c'était l'ulti large. Je voulais essayer de faire mon PGM avec, mais je suis totalement mort. T'es une grosse merde, on peut le dire. Ah, bah voilà, au cross the map. Très bien, va falloir peut-être faire des kills, là, parce que là, vraiment, là, on vend pas du rêve, là disons-le, on vend rien. Regardez, hop, là-bas. Oh là là, on l'a eu, et ça, on se demande comment. Est-ce qu'on pourrait tuer cet homme? Voilà, hop, on le tue sur la dernière balle, comme d'hab. Hein, tout était prévu. Regardez, hop! Merde, ça ne l'a pas tué. Oh putain, il m'a cut. Oh, il m'a mis une patate de l'espace. Ok, alors où sommes-nous? Ok, d'accord, donc nous sommes ici. Bien évidemment, il faut se repérer à la map. Alors, une nouvelle. Un nouveau truc, je suis vraiment une pute à jouer qu'à ça. Mais non, mais vraiment, voilà, une nouvelle. Oh!
Waouh! Ok, d'accord. Alors là, c'était stylé. Dommage que j'ai tué personne. On va jouer un petit peu. Oh, regardez les petites glissades de l'espace. Ça, j'avais activé un bouton, mais il marche plus. Du coup, je suis pas mal déçu. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je me suis fait tuer par l'autre avec son Argus. Ignoble, ignoble, infâme. Infâme, pouce rouge à cette personne. Hop, à l'effigie de cette personne, je dirais. Waouh! C'est bon. Tranquille. Waouh! Oh là là, et sensationnel cette arme. Hein. Franchement, franchement, bon, ça se fait pas en vrai de jouer avec ça, on va éviter. Mais franchement, voilà. Hop, regardez. Voilà, voilà. C'est ça qu'on veut. Une assise, c'est ça. Oh là. Waouh! Waouh! Ok, on l'a pas eu. On l'a pas eu, mais on a eu une assise. Et rien que pour ça, je suis prêt. Je suis vraiment heureux. Ok, hop, on va faire. On sécurise Alpha. Est-ce que c'est une bonne idée, sincèrement? Allez, on sécurise Alpha. On sécurise Alpha avec ma meilleure Mago, tout simplement. Hop, nous allons. Waouh! C'est bon! J'aime bien dire waouh avant, comme ça, au moins ça fait genre si je meurs, c'est exceptionnel. Alors que pas du tout. J'ai absolument tiré en regardant sur le radar. Mais du coup, c'était pas une bonne idée. Regardez, énorme, énorme, où est-ce qu'on peut aller? Oh là là, énorme, énorme. Et regardez, hop, on prend l'arc. Hop! Et hop! Et on l'a! On l'a pas eu? Attendez, moi je veux voir ça. Hein. Oh là là, on l'a pas eu, infâme. On rejoue à ça. On rejoue avec le bazooka totalement. Totalement. Oh, regardez un RCXD, ça c'est beau. Ça c'est le beau jeu, j'adore! Et on se suicide également. Saut mortel, alors ça, franchement, pour ce truc, je trouve ça énorme. Et franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. De la map Nuketown revisité, hein, je dirais même. Et franchement, moi je trouve ça juste magnifique. Franchement, magnifique, magnifique. Oh, et moi je continue de courir. Ah bah non, le mec m'a dit non. Tu t'arrêtes tout de suite. Hein. Tu es moche, il m'a dit. Allez, hop, regardez. Oh là là, le wall jump et tout. Oh là 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 là. Et ça, franchement, c'est énorme. Bon, dommage que ça ne soit pas du tout stylé et que je le fais avec un bazooka. Mais imaginez-vous que j'ai un DSR ou un sniper, le Locus ou le Dracon, là. Je ne sais plus. Hop là. Voilà, bon, là, c'était pas du tout stylé. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Hop, on court sur les murs. C'est totalement sensationnel. Oh merde, les Guardians. C'est bon, on meurt pas quand même. Très bien, très bien, très bien. Alors, donc du coup, je vais exprimer mon avis maintenant. Donc voilà, donc moi je trouve ça juste énorme qu'on puisse sauter partout, partout. C'est vraiment énorme. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Je vais avoir du mal à m'habituer, mais qui me plaît énormément. Voilà, sachez-le. Donc, deuxième petite chose, un petit défaut que je dirais, en fait, c'est qu'il ne faut pas se dire, pour moi, franchement, il ne faut pas que je me dise que c'est un code. Parce que ça n'a absolument rien à voir. Regardez, une balle, une victime. Ça arrive sans prévenir. Et ça. Cette petite phrase de fin, c'est vraiment assez stylé. Au final, on n'est pas dernier, donc c'est cool. Bon, enfin, ratio de merde, hein, bien évidemment. Ça c'était à prévoir, bien évidemment. Donc, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Oui, on est passé niveau 4, donc ça, c'est vraiment cool également. On a pris une grosse, grosse défaite, là, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc voilà, donc oui, le seul petit défaut que je dirais à ce jeu, c'est que je pense que certaines personnes qui ont lâché la licence depuis, comme moi, entre guillemets, depuis Ghost, qui n'ont donc pas joué à Ghost ni à Advanced Warfare, mais qui ont joué à BO2 et qui adoraient ce jeu, vont peut-être pas forcément s'y retrouver. Alors le petit écran bleu, bien évidemment, normal, hein, c'est à la fin de chaque partie, hein, voilà, très bien. Donc du coup, voilà, ne vont peut-être pas forcément s'y retrouver, mais je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, ça peut être vraiment bien. Et franchement, ce jeu, pour l'instant, me fait surkiffer. Voilà, donc on a la poignée go, on a des petits trucs comme ça, des petits trucs qui mettent bien, vous savez quoi, franchement c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Hop, regardez, on va mettre des petits accessoires, regardez, on peut même peut-être, voilà, on peut même mettre ça et ça, on peut se donner le luxe, et regardez comme elle est belle, notre coup d'âme, bien évidemment. Alors je vais juste aller fermer la porte, bien évidemment, afin de ne pas être dérangé pour cette deuxième petite partie, parce que franchement c'est juste, c'est énorme, disons-le. Du coup, nous allons pas jouer sur Nuketown. Cette fois-ci, nous allons aller en autre, bien évidemment. Nous allons aller, je pense, en MME, parce que la MME, franchement, qui n'aime pas la MME, disons-le. Nous allons, voilà, très bien, sur Redwood, bien évidemment, donc le bois rouge, bien évidemment. Donc, on se demande pourquoi. Hein. Donc, du coup, voilà.
Donc c'est le seul petit voilà reproche que je pourrais dire au jeu, mais après voilà c'est pas tellement au jeu, hein, c'est plus les joueurs de s'adapter. Alors il y a très très peu de camps franchement, et ça je trouve ça vraiment énorme. Alors pour la communauté PC peut-être que je suis tombé que sur des bonnes parties, vous allez me dire, hein, mais franchement il y a énormément très très peu de camps. Et cette map a l'air juste énorme. Franchement, je pense que les maps sont juste magnifiques. Et également, j'en ai pas assez parlé, mais ce jeu est magnifique. Donc voilà, donc moi je suis là, regardez les perviers totalement énormes. Alors j'ai pris cette ultime, mais il est totalement nul, disons-le. Mais enfin, il est pas nul, mais voilà quoi. J'aurais préféré le point du choc, mais j'aime pas le bonhomme. Je voulais invoquer une meuf, bien évidemment. Une fille, excusez-moi. Comment je parle? Comment parle-je? Comment on parle voilà, tout simplement. Donc, hop, nous allons jouer une autre classe. Nous allons jouer le dragon. Alors là, les gens, ce sniper. Oulala, les FPS. Les FPS, c'est la première fois que je joue sur cette. D'accord, c'est la première fois que je joue sur cette map. Waouh! Est-ce qu'on meurt si on tombe? Je pense que oui. Oh, qu'est-ce que c'est? Ok, d'accord. Franchement, ça a l'air stylé, mec. Hein. Waouh! Nous allons faire des double jumps. Regardez, on peut même peut-être. Enfin, oh, on peut marcher sur les arbres. Et rien que pour ça. Je suis pas déçu d'avoir acheté le jeu, disons-le. Hop, nous allons. Oh, regardez par là. Alors, je ne sais pas. Ah, d'accord. Très bien. Donc, d'accord. Donc, quelqu'un qui me voyait apparemment. Hop, ok. Donc, franchement, cette map me plaît déjà. Me plaît déjà. Et ça, c'est peut-être. Oh, ok. Donc, pour l'instant, j'ai pas fait énormément de maps. Mais bon, on peut pas monter là. Ok, très bien. Toutes les maps, en fait, me plaisent pour l'instant. Il n'y a pas une map. Que je n'aime pas, que je veux jamais tomber dessus, bien évidemment. Infâme cet homme, infâme. Yo, les patates de l'espace, c'est bon. C'est parti, ça part sans prévenir. Ok, bon, et derrière, je me fais tuer, bien évidemment. Alors, je suis vraiment très très nul à ce jeu vidéo. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Attendez, là-bas, il y a une fenêtre. Bon, le problème, c'est que je ne sais pas d'où les ennemis peuvent venir, mais. Et ce n'est pas grave, ceci nous importe peu. Bah, par exemple, par derrière, voilà, ça peut être une idée. Alors, le dragon. Attendez, on a d'autres classes avec des snipers, il me semble. Hein. Le locus, il n'y a pas. Je n'ai pas de locus. D'accord, je n'ai pas. J'ai ceci. Non, mais on va pas jouer les classes de base, ça a l'air nul. On prendra cette AN, enfin cette AK, bien évidemment, la prochaine manche. Hop, regardez. Oh putain, ok, lui, il va prendre tarif. Ok, je l'ai raté. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors attendez. Ah, regardez l'eau, voilà, oh là là, énorme, énorme. Et hop, on peut partir, et ça part sans prévenir, hein, franchement. Regardez, hop, on remonte, voilà, elle prend sa petite respiration, hein, de lâche. Et puis voilà, et puis tout va très vite. Hop, regardez, hop, putain, on est retourné là, mais c'est une mauvaise idée, je crois. Waouh, waouh. Ah, la patate de l'espace, ok, non, c'est bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Waouh, oh, est-ce qu'on a. Ok, attendez, on va essayer. Mais c'est où on était au début, énorme, énorme. Hop, nous allons passer par là. Ok, alors là c'est plus de la découverte de map parce que bon, tout le monde connaît la disposition, bien évidemment. Mais ça franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Waouh, la luminosité. Ah, non, aide-moi, mon copain. Ah, ok, dommage, dommage, dommage. Allez, on prend la K maintenant. Enfin, la K, vous m'avez compris, hein, bien évidemment. Oh, regardez, regardez. Regardez, on l'avait vu. Ah, on l'avait vu passer. Vous l'avez vu, hein, ne mentez pas, ne mentez pas. Et là, on fait un score de merde. Hein. Ah, là, et là, là, c'est la déception. Je pense, vous savez quoi? Ah, on va jouer un peu avec cette classe, bien évidemment. Mais ah, voilà, le petit flingue qui fait amplement plaisir. D'accord, là-bas, nous avons. Oh, oh, waouh, 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 waouh. Ok. Waouh. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout où est-ce que les amis peuvent être. Ok. Oh là là. Qu'est-ce que. Ok, d'accord. Tout va bien, c'est un drone de reconnaissance, pas du tout. J'essaye de faire genre que je connais, mais alors pas du tout quoi. Le Gordon, regardez-moi. Oh là là, regardez-moi cette chose. Oh là là. Et ça, c'est les vrais hommes qui jouent cette arme. Parce que moi, je vous dis, ça c'est l'arme. L'arme du non-respect. Hein. Regarde. Qu'est-ce que cette arme? C'est totalement ignoble, mon dieu. Et franchement, heureusement. Et bientôt on a l'arc. Et quand on aura l'arc, on va faire Robin des Bois, mec. Et ça sera classe, disons-le. Très classe. Bon, pour l'instant, on fait environ 0 kill. On a environ. On a un putain de cancer, hein, disons-le, par rapport à notre équipe.
qui elle gère bien évidemment. Hop, on peut pas voler les armes, on ne peut pas, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, de toute façon je la voulais pas. Je pense que pour être un minimum utile avec à nos amis, nous allons utiliser le lance-roquettes. Ah oh, putain, on peut rien voler ici. Il n'y avait pas d'armes par terre. Oh là là, des gens sont morts, des gens sont morts. Ok, vas-y, moi je m'incruste à la castagne. Ok, personne ici. Ok, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Oh là là, et on a l'arc. Et à partir de là, les mecs, hop, ça ne rigole plus. Oh merde, sa mère pute. Oh, excusez-moi pour cette grossièreté. Où avais-je la tête? Où avais-je la tête? Je ne sais plus. Hop, on va regarder. Hop. Non. Ok, je vais y retomber. Waouh. Waouh. Oh, putain. Je suis chaud. Oh la vache. Oh, les messages. Les messages. Waouh. Ok. Ça n'a tué environ personne. Elle m'a l'air assez petite quand même, cette map, par rapport à d'autres que j'ai vu qui étaient totalement immenses. Regardez, j'adore faire ça, sauter dans tous les sens. Et sur Nocturne, c'est vraiment possible. Bon, là, on peut monter bien évidemment sur tous les murs également. Hein. C'est juste que voilà, quoi. Moi, je ne fais pas parce que je suis un homme civilisé, on ne monte pas après les murs. Je ne croise pas grand monde. Quand je croise des gens, je me fais tuer. Waouh, le gangbang, ok, non, c'est bon. Hop, oh mon dieu, Alexis qui m'appelle, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour Pierre également. Tout de suite, on va lui dire qu'on finit la game. Voilà, on finit la game parce que CS, au final, qu'est-ce que CS? Eh ben c'est rien. Hop, regardez, waouh, oh merde. Ah là, j'ai fait de la merde. Ah là, je suis vraiment désolé. Et on est vraiment utile à notre team, hein. Franchement, là, on fait du 1-9. Disons qu'on est utile. Donc du coup c'est plutôt cool. Nous allons dire 5 minutes. Voilà, hop, très bien. D'accord, ils nous ont fait tuer pas en ce temps. Que des lâches dans le jeu. Je retire ce que j'ai dit sur la communauté. Hein. Waouh, c'est bon. On a réussi un move intéressant. Alors. Et voilà mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Bah rien du tout. Voilà, justement. Alors là on a la petite CUDA qu'on a améliorée donc avec le petit viseur, bien évidemment. Qui est totalement beau. Regardez-le là, lui, voilà. Hop, c'est pas du tout moi qui l'ai tué, mais je vais croire. Oh, oh, waouh, waouh. Et j'ai fait un move là, les gars. Ah là, voilà, d'accord. C'est pas du tout ce que je voulais faire. En plus, je me suis fait tuer lâchement. Ok, hop. Est-ce qu'on peut monter sur ces murs là? Ce n'est pas, on peut pas. Oh, si, on peut. Énorme, on a perdu. On a gagné! Malgré moi, malgré le cancer que je suis, le poison, je veux dire même à cette équipe, j'ai fait 3 kills quand même. Bon, je pense que voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder cette pile quand même absolument magnifique, je pense. Oh là là, d'un homme qui gère. Mais qui gère? Mais alors là, il a mis une balle? Mais please! Ok, moi aussi, j'aime bien. Moi, je mets une balle, mais une balle de snipe. Oh! Retourner autant. Ouais, bon, il a dit la merde, lui. Je sais pas qui c'est. What the fuck, il est un putain de. D'accord, très bien. Donc, avec une image très très spéciale, bien évidemment. Ok. C'est quoi ce nom, sans déconner, les mecs? Ok, bon, on avait vraiment été très très utile hein, sur les parties qu'on a faites, bien évidemment. En tout cas, un grand merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas également à me donner votre avis sur Black Ops 3. Bien évidemment, quand j'aurai joué plus amplement, je vous donnerai un avis avec du recul, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si on dit avis à chaud ou à froid, mais voilà, moi, je suis avis à froid, à chaud, tout, mon avis, quoi. Voilà. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu sous cette magnifique écran bleu et regardez impardonnable 2-2, voilà. Donc, voilà. Tuer l'ennemi qui vous a tué. Donc ça c'est pas mal. En fait ça fait bien voir que j'ai tué environ personne. Ok. Donc un grand merci à vous. Sur ce, cet épervier vous dit bonjour. On random, regardez, on va mettre bonjour. Et voilà, même si on comprend pas vu qu'on dit au revoir. Et bonjour avec un. Allez, salut, voilà, bonne vidéo, merci, c'était fun. Bye bye tout le monde.